Nous sommes toujours avec Ineo devant la directe à Mende. Monsieur Turc a rejoint les employés. Monsieur Turc, responsable départemental de la CGT, vous fustigez une fois de plus le climat social actuel. 25 emplois de plus sur la sellette en Lozère, c'est une situation grave pour vous. Bonjour, c'est une situation effectivement très grave. On a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. En Lozère, on a beaucoup de petites entreprises. Et ça va avoir des répercussions économiques importantes sur l'ensemble du bassin de Mende et de la Lozère. Monsieur Turc, vous dites que côté CGT, vous avez des propositions et que le problème est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tribune pour se faire entendre et il n'y a pas de dialogue social. Tout à fait. On est inquiet parce qu'on se dit qu'il y a peu de responsables et de décideurs qui se penchent vraiment sur le problème de l'emploi en Lozère. Et donc la CGT fait une proposition. On a des structures comme l'EDEC, la CPDIA qui peuvent servir au dialogue social. Et il faut absolument que dans la situation de crise dans laquelle on se retrouve, on se mette autour de la table pour trouver ensemble les solutions, mais pour développer l'industrie, pour développer l'emploi en Lozère. Et on sera force de proposition dans ce sens-là, effectivement. Monsieur Turc, merci.